Bonjour, je m'appelle Rida Abdallah, âgé de 18 ans, ancien élève de la promotion 2016 du lycée franco-libanais Verdun, situé à Beyrouth, Liban. Ayant suivi un parcours scolaire de 15 ans au sein de ce lycée, je considère personnellement ce dernier comme étant mon second domicile, lieu où j'ai forgé ma personnalité, afin de me préparer moralement face aux obstacles de la vie. De ce fait, je me trouve aujourd'hui comme étant licencié en droit à la filière francophone de droit de l'université libanaise. Ce passage du lycée à l'université est nécessaire pour tout individu voulant réussir à l'échelle de sa vie professionnelle. En revanche, cela est quasi impossible sans guide de personnes ayant l'expérience nécessaire pour bien nous diriger. C'est dans cette perspective que le lycée, grâce à toutes ses échelles, à l'aide de ses professeurs, à travers l'aide du centre de la vie scolaire, à travers le bureau d'orientation, jusqu'à, en passant au final aux événements d'orientation organisés au sein du lycée, a joué le rôle du guide nécessaire afin de pouvoir éclaircir notre chemin et de faciliter nos choix. Il a donc un rôle primordial à jouer dans l'orientation. En ce qui me concerne personnellement, c'est au sein de ce lycée que j'ai découvert ma passion envers le droit et le domaine de droit. Aujourd'hui, c'est en poursuivant mes études supérieures que j'ai perçu l'importance du système éducatif français. D'une part, j'ai acquis une base méthodologique importante, surtout qui peut s'accentuer dans mon domaine à moi. D'une autre part, le système français est fait non seulement pour éduquer les personnes, mais aussi d'enrichir leur esprit et approfondir leur regard critique. C'est dans cette idée et dans cette perspective que s'articule et s'inscrit le principe de laïcité, m'offrant une ouverture d'esprit, surtout dans un contexte au Liban où s'enracine le sectarisme politique, qui est une anomalie sociale évidemment. Donc, au final, le système français, le système éducatif français, est un atout pour l'esprit de la personne.